Prenez les choses à cœur, mais pas tant que ça. Concept numéro 138 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Alors vidéo dans un cadre un petit peu spécial, comme vous le voyez. Les prochaines vidéos qui arriveront dans les prochains concepts seront dans ce cadre un petit peu paradisiaque. Alors pour ce concept, eh bien, je crois que ça se prête tout à fait bien. Le fait de prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Se relaxer, se détendre. Ah, alors vous allez me dire, bien sûr, là, tu es en vacances, tu es près de l'océan, avec le beau temps, le soleil, etc. Donc c'est facile de lâcher prise. Mais rassurez-vous, ce concept, je l'applique aussi dans le business. Quand je suis dans mon bureau et que parfois les affaires ne marchent pas comme je veux, quand je sors une formation et que ça prend pas forcément comme je le souhaite. Bon, ça m'arrive de m'énerver, bien sûr. Mais au final, après, je repense. Une fois que je me suis énervé parce que ça n'a pas été comme je voulais, je repense à ce concept de fait de prendre des choses à cœur, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est un juste équilibre à avoir entre le fait de... Voilà, il faut focaliser, il faut se mettre des objectifs, je vous le dis dans ces vidéos, c'est important. Mais en même temps, il faut avoir... En même temps, un lâcher prise et un certain détachement. Et c'est comme ça que ça marche mieux. C'est drôle, hein? C'est drôle, c'est un peu contradictoire, mais c'est un jeu d'équilibre entre vraiment mettre des objectifs en place, que vous fassiez des actions, et en même temps, vous dites, bon, c'est pas grave si j'y arrive pas. Ne pas prendre les choses trop à cœur. Bon, là, je ne fais qu'effleurer le concept. C'est quelque chose d'assez... Voilà, c'est 5 minutes pour l'apprendre, mais toute une vie pour le maîtriser. Il faut l'appliquer, parfois on se trompe, on est nouveau à côté de la plaque et après on y revient. Donc voilà, je ne fais qu'effleurer le concept ici. Je vous invite à entrer dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite, pour vraiment l'approfondir ce concept, parce que ça c'est rien du tout là ce que je vous dis en 2 minutes. Et voilà, et lisez le livre aussi de son concept pour mieux réussir, dans lequel vous aurez plus d'approfondissement. À très vite.